Alors pour le fonctionnement sur cette chaudière, c'est assez basique. Là, on allume la chaudière. Si la chaudière est en sécurité, une pression sur le reset. Là, vous avez le sélecteur de température d'eau chaude. Là, vous allez augmenter la température de l'eau chaude ou la baisser. On va aller se mettre ici. Normalement, on devrait être à peu près à 50 degrés. Et là, pareil, on va prendre le sélecteur de température. On va l'augmenter. Là, on va voir que le petit pictogramme va clignoter. Ça signifie qu'il est en train de prendre la consigne. On va mettre à peu près à 50 degrés. Tout va dépendre de la saison. Et avec ça, on va gérer la température de l'eau dans les radiateurs. C'est-à-dire que la régulation du thermostat d'ambiance ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous mettez 20 degrés et que vous laissez les radiateurs à 40 degrés et que dehors il fait moins 5, vous allez avoir du mal à monter à 20 degrés dans la maison. Donc vous serez obligé d'augmenter progressivement selon à mesure qu'on avancera dans l'hiver, vous serez obligé d'augmenter la température de chauffage. Ça dépendra aussi de votre installation et de votre isolation. Mais là, je vais partir sur une base à 50 degrés et sur une base à peu près pareil à 50 degrés. Important, ne pas mettre au-delà de 50 degrés parce que normalement, on ne doit pas mettre l'eau chaude à plus de 50 degrés. Au-dessus, c'est censé être pour de la désinfection. Voilà tout. Et si vous voulez couper le chauffage, rien de plus simple. Off. Pareil pour l'eau chaude. On se met sur off. Voilà tout.